Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que c'est une chaîne heureuse, pas des malheureux, une chaîne qu'on vit comme Batman Fitness, comme je vis chaque jour, chaque minute, chaque de mon instinct. On a la santé, alhamdoulilah. Voilà, c'est l'essentiel, c'est d'être bien, d'être propre, d'être serein, d'être zen. Et tout va aller mieux dans la vie de tous les jours. Donc, Batman Fitness. Vous savez très bien, les people, que j'aime pas les menteurs et les menteuses. Les plus gros mensonges de la musculation. Les baltringues qui croivent, qui mentent aux gens, surtout quand ils vont aller pêcher une meuf. La musclez, vous aurez toutes les plus belles filles à vos pieds. C'est ce qu'ils disent. Les gars, c'est normal, les gars qui tapent des stéros, qui tapent la masse stéroïde, qui tapent glambutérol, c'est normal qu'il va dire, ouais, que ma la corpulence, qu'une fille sera tout à mes pieds. C'est les meufs, elles vont se foutre de votre gueule, bande de hmal, bande de hmal, bande de hmal. Vous êtes tellement perché sur votre corps que vous allez tout vous taper. Détrompez-vous, il y a la suite qui suit et sans suite. Deuxième, les physiques affichées sur les boîtes de suppléments. Vous avez pas mal des modèles de son des bodybuilders qui affichent leur publicité. Donc, il y a un truc qui est caché, c'est que c'est les menteurs des bodybuilders. Pour eux, c'est un job mentionné par la stéroïde. Ils vont dire oh, jamais qu'ils prennent de la stéroïde. C'est les vraies transformations physiques prennent des années dur labeur. C'est ce qu'ils disent aux gens. Au fond d'eux, ils tapent la stéroïde, la masse stéroïde. Ils disent dur, ça prend des années, dur labeur. Troisième étape, il est naturel, je le sais. Il me l'a dit. Il y a une réponse, une question. Il y a la question et la réponse, c'est ce qu'il me dit. La stéroïde est fait énorme. Il dit, ouais, je suis énorme, je prends ça, je suis du naturel, je mange. En fait, ces menteurs-là, stéroïde, effet énorme. La nana, elle n'est pas conne, si elle connaît bien. Force, volume musculaire, effet négatif. L'apparition des seins chez l'homme. Ce n'est pas des pectorales. Vous allez choper des seins que vous allez vous faire opérer en Belgique. Pour 3 000 à 10 000 euros pour vous enlever les seins. Déjà, c'est moche. Le gynécomastie de la pousse des poils. Vous allez choper de l'acné. Là, vous allez voir que vous allez être pas beau. Perte de cheveux, l'atrophie de parties intimes. C'est que vous allez être en raisin sec. Il n'y a plus rien. Juste pour vous la frimer. Quatrième, je peux augmenter mes bras de 5 cm en 2 semaines. Déjà, bande de menteurs, bande de. Vous êtes des menteurs, vous êtes des. C'est pire que quelqu'un qui met un coup de couteau derrière mon dos. Vous êtes des putains de menteurs. Déclaration, outrageuse et honteusement. Devenu un standard dans le bodybuilding et des mythos. Tous ces mecs-là qui disent que je vais prendre 5 cm, 2 cm en une semaine, parce que c'est de la frime, c'est qu'ils se la pètent. Oh yeah, oh yeah, c'est qu'ils se la pètent s'il y a du monde. C'est impossible. Même les gens qui tapent la masse stéroïde, c'est qu'ils se la pètent devant leurs concurrents comme le Salon de Fitness. Qui devait être en 2020, ben ce week-end-là, il a annulé. Ces mythos, il ne faut pas les croire. Ne faites pas comme eux. Restez dans le classique, genre comme gainer, créatine, whey ou BCA et glutamine, arginine ou quelques pré-workout. Donc, faites pas comme ces putains de mythos qui vous rassasient votre portefeuille, qui vous mitonnent, qui se la pètent en salopette, en slibard.
N'écoutez pas ces genres de personnes, parce que ces genres de personnes, ils vous enfoncent dans la merde. Qui va vous sortir de la merde? Vous n'avez pas de potes, vous n'avez pas de femme, vous n'avez rien. Dans la merde. Vous allez retourner avec les SDF dans la rue. Hey, donne-moi 1 euro. Deji, donne-moi 1 euro. Donne-moi 3 euros. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Vous êtes ruinés. La banque qui vous appelle, vous êtes à moins de 2000 euros. Tout l'argent que vous allez recevoir, c'est la banque qui va vous prendre. Faites attention à ces gens-là parce que c'est des faux culs. Ils sont désagréables, ils sont inconscients, c'est comme un alcoolique, c'est pareil, c'est pas elle kiff kiff. Faites attention à votre portefeuille, faites attention, n'y croyez pas ces gens-là. I wanna to biceps, bitches, croyez Batman, un jour ça va se payer.